Bon, tranquille ou quoi la famille? On est là, on se retrouve, petite vidéo totalement spéciale. Vous voulez voir un petit truc? Regardez ça le frérot. Bah déjà la spécialité c'est que le petit frère est en train de faire du Fortnite. Pousse-toi de la télé gros. Vous avez vu? Il a foncé à Fortnite, il est tombé 20ème, voilà. Non les frérots, petit truc spécial, flash spécial. Là c'est la chaîne de GT abruti. On va pas se fâcher pour 2-3 broutilles. Des questions louches on fait Skype. Ouais abonne-toi ma petite gueule pour casser la routine. Si tu veux me suivre tout est dans le descriptif. T'as vu le bob tu te demandes c'est qui ce type. Claque juste une grosse tube en l'air. Comme dans Minecraft rajoute ta pierre à notre édifice. Regardez ce que je nous ai dégoté aujourd'hui. Je sais pas si c'est bien le retour. Tatatin. Qui dit plein de colis comme ça, qui dit on va les ouvrir tous ensemble mes frérots. Allez hop, je nous installe la petite table. Et en dessous ça, je suis en compagnie de mon petit frère dédicace à lui. Donc voilà les frérots, j'ai mis la petite table, vous avez vu, je suis avec le frangin, il adore Fortnite. Vous allez voir s'il fait un petit top 1 ou s'il fait un top 97. On sait pas. On va se déballer tous les petits colis les frérots. Donc je vais commencer par les plus gros, les petits. Et je ferai les plus gros à la fin, le noir c'est le meilleur. Moi aussi il est bien aussi. On va mettre ça là. Voilà les frérots. Des petits épisodes comme ça, vous dites si vous voulez trouver une petite abréviation et tout, mais vous avez vu, genre Prime il fait des petites vidéos de tout et n'importe quoi. Il les appelle les Lavid. Et moi j'ai fait des vidéos de mes vacances, je les appelle les MV. Si vous pouvez me trouver une petite abréviation, sinon je peux l'appeler Lavid GT abruti, ça fera des LV. DG, genre LVDG 1, je peux ouvrir des colis, LVDG 2, on fait de la crosse, on fait ci, on fait ça, on mange des croustibates. Je sais pas, mon frère m'a dit l'environnement de GTA Abruti. Je te le dis l'actu. L'actu de GTA Abruti, ça ferait quoi d'abréviation? Ça ferait l'actu de GTA Abruti, un L2G, un LDG. Non. Essayez de me trouver une petite abréviation, sinon il y a mon proto Francis qui avait dit les Bob Life. Les Bob Life. Mais bon, ça fait un petit peu trop Bob Marley, je trouve. Ça fait un peu nul. Quoi. Bob Life 1, Bob Life 2, mais parce que j'ai tout un Bob. On commence, premier colis les frérots. Premier colis, est-ce que je vous... Ouais, je vais ramener la caméra un petit peu plus près pour que vous voyez vraiment bien les colis. Je vous ai mis la caméra un petit peu mieux les frérots, je sais pas si elle est bien posée ou pas, j'ai pas encore l'habitude de faire des vidéos comme ça. Parce que ma caméra, j'ai pas le retour directement, c'est une GoPro. Voilà pourquoi j'ai mis de côté pour acheter une belle caméra, qu'on a bien le retour. Genre j'ai ma petite face, je nous vois en face direct et tout, ça va être beaucoup mieux. Les premiers colis les frérots. Micromania, déjà ça veut dire quelque chose. La garantie à la fin de l'année. Ouais, ça c'est de la merde, c'est parce qu'il me restait 10 balles. Un petit jeu de cross, il était à 10 balles, je l'ai pris, voilà, j'aime bien la mécanique de cross. Je me suis dit pourquoi faut pas délirer. Mais le mieux c'était ça les frérots. Ah là 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 là. Ça c'est mon jeu, ça c'est le meilleur jeu, ça je préfère ça par rapport à GTA, Minecraft, même à FIFA ou je sais pas quoi. Ce jeu là il est frais les frères. Je l'ai ouvert direct dans la voiture, j'ai regardé le CD et tout, j'étais tellement content avec Pedro. Je pense que d'ici là que je fasse le montage du premier Bob Life ou du LVDG ou je ne sais pas quoi, l'environnement de GTA Abruti comme il dit à mon petit frère, bah vous l'aurez déjà vu en live parce que là, le jour même où je vous fais la vidéo, bah directement le soir même je ferai un purée de live. Putain de live, on va éviter pour les promos, mais un putain de live de ouf. Voilà les potos. Le premier c'était Micromania, le tout nouveau USC3, vous l'avez vu en live je pense. Enfin vous allez le voir en live je pense vu que je fais le montage et que je vais faire directement en live ce soir et que ma vidéo va sortir 100 ans après. Ouais ouais. Donc vous l'avez vu en live je pense d'ici là. Petit jeu de cross, ça on s'en bagarre, ça c'est plus le UFC. On a fait le petit minime. Numéro 2 les frères. Une petite lampe, parce que mon sponsor il me boycotte, il me répond pas depuis 2-3 semaines. D'habitude vous avez vu, c'est lui qui m'envoie des lampes, des claviers, des LED et tout. Là j'ai ma celle de en dessous de mon bureau, qui est... je vous ferai voir quand je vais faire un montage. Qui est acclamé, j'envoie un mail, il me répond pas. Du coup j'étais à Le Grand Berlin, les frères, 15 balles. Au moins c'est français, on sait que ça va marcher, c'est dans un magasin français. Je la mets sur mon bureau et tout, le calme. Dédicace à V2, qui quoi il passe en live, il me dit ouais, il monte ta lampe et tout. Ça c'est fait. Par contre la télécommande est beaucoup plus petite que celle que j'avais avant, mais au moins je sais que ça va pas être de la calme, elle va marcher non. Tu m'aideras à la poser déjà, après. Ouais. Bon bah ça on connaît, hein, c'est une lampe, c'est une mail. Ah par contre ils ont un interrupteur, c'est un peu gay ça. Sur les autres, j'ai pas d'interrupteur les frères, j'ai que allumé comme ça. Faudra que je la découpe et tout. J'ai hâte de voir ça à défaut, il y a mon avis. Ah elle est pas pareil que l'autre.
Ah ouais, la mienne, l'autre, les frères, l'autre, elle est plate. Ah ouais, non, je préférerais vite faire les miennes. On va voir qu'on va la poser, les frères. Ah ouais. Là, ce sera un petit élevé des géants, genre j'étais faire du shopping, mon papote. On met en place le nouveau projet, une caméra, juste moi qui parle avec ma copine, des copains, mon petit frère et tout. On fait tout n'importe quoi, on ouvre des colis, on mange des croustibates et on veut pousser un truc de gueule. Le deuxième truc, c'est ça, les frérots. C'est un peu de la merde, j'ai payé 4 euros ça. C'est un peu de la merde et vous allez comprendre plus après. Des petites lettres de couleur, genre, tu vois, un J bleu. Plein de lettres de couleur, tu les vois là sur la table. Plein de lettres de couleur avec des M, des O, des ce que tu veux, frérot. Voilà, ça c'était un petit truc à 4 balles. C'était pour le truc d'après. Voilà les frérots, le truc tout con, je sais pas, je suis passé devant Soho, j'ai vu ça, je me suis dit tiens je vais le prendre. Comme ça quand je vais faire une vidéo genre la vie de Jetta Abouti, je vais marquer là-dessus, la vie de Jetta Abouti épisode 1, unboxing numéro 2, qu'est-ce que t'en penses? Ah ça c'est pas mal. Ouais, j'espère que tu vas te faire killer, il reste plus que 30 personnes. Ah il a fait un kill, Peut-être bientôt vous verrez mon petit frère faire des lives sur ma chaîne les frérots sur Fortnite. Je serai à côté de lui mais je répondrai juste comme moi. Voilà, eux m'ont donné des lettres normales, c'est pour ça que je l'ai acheté ça. Je me suis dit je vais prendre des lettres de couleur pour que ça fasse un petit peu mieux, parce que peut-être noir, voilà, ça fait un peu trop simple. Mais sinon j'en ai encore là des lettres. Des lettres noires, tout. Vous me dites si vous préférez les lettres noires ou les lettres de couleur. Peut-être je préfère couleur ou noir, j'ai. Peut-être noir, on verra mieux. Ouais, je pense que noir en fait ça fait peut-être mieux. Putain, j'ai acheté ça 4 euros pour rien en fait. Ah si, pour ça je l'ai acheté. Logo bière. Voilà, ça va, je me suis pas fait carotte les frères. J'ai acheté 4 euros les mini couleurs, les petites lettres de couleur. Je me suis fait carotte un peu. Mais depuis que j'ai vu ça, le petit logo bière, je trouve que je me suis pas fait carotte. Ah non, vous voyez pas comme ça, vous voyez. Logo bière. Parce que c'est vrai que les noirs, on le voit direct. Le noir, il ressort direct les frères. Ah ouais. Le noir, tu vois le message. Que là, Zo 113. Ouais, je crois qu'on est au Zo ici. Là, oui. Voilà, j'en ai plein. En double, en triple. Peut-on faire une écharpe? On va en faire une écharpe à mon petit frère. Une écharpe. Il est dégoûté d'être dans la vidéo. Allez voir. Voilà les photos. On va en faire un petit peu le truc. Donc avec les piles. Vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il faut mettre 6 piles. Il marche quand même à 3 piles les mecs. Et j'avais les 6 piles. J'ai mis les 6 piles, j'ai regardé si genre à 6 piles il y avait plus d'intonation ou pas, si genre les 3 piles, ça faisait que cet épisode là, et les 3 des là. Non, pas du tout les frères. Les autres piles, ça sert à rien. C'est pas plus fort, c'est pas moins fort. 3 piles frères. En fait, ils veulent juste acheter des piles, déjà qu'un paquet de piles, ça vaut au moins 5 balles. Là, il t'en faut 6, donc tu n'y commences 7 balles. Mais au final, en fait, t'en as besoin de 3. C'est pas trop des carottes. Voilà les frérots. Oh, bah là, ça vient de tomber. C'est un petit épisode comme ça, les potos. Après, on va découvrir le setup ensemble. J'ai jamais fait de vidéo de setup. J'ai déjà fait une dans mon ancien setup, mais pas le nouveau. Je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Une petite vidéo setup, vu que maintenant, avec les épisodes de... les LVDG ou les Bob Life ou l'environnement du Tabouti ou je ne sais quoi, et ben vous le verrez beaucoup plus le setup. Hop là, petit message. Oh là 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 là, il y a des euros, il y a des notes de musique. Oh là 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 là. Il y a de quoi faire, mon frère. Tu vois, tu prends ton truc. Ah ouais, il y a tout quoi. Enfin, je peux juste pousser mon truc. Ah, mon truc blanc là. Ah, tu vois pas ton œuf. Ah désolé, en plus ouais, c'est vrai que j'ai fait. C'est propre hein. Non, ça j'aime bien. Si vous voulez, je parle fort, c'est parce que la caméra elle est loin, donc je sais qu'on va pas nous entendre. Bon voilà les frérots, on a fait toutes les petites conneries. Ça c'est le mieux. Dédicace à Don Julian et Alex Kidd les frérots. Eux ils savent de quoi je parle si vous voulez ça. Don Julian, si tu regardes la vidéo et que t'arrives à ce moment-là, t'as intérêt de laisser un commentaire.
Tintintin les frérots, voilà. Ça c'est l'ancienne époque. Ça c'est l'époque des darons les frères, des anciens. La Mega Drive mon frère, Mega Drive 16 bits, 32 bits, t'imagines? T'es marre mon frère. Nouvelle Mega Drive, 81 jeux inclus mon frère. Avant t'as besoin d'avoir la jaquette et tout, maintenant non, que de chiffres frère. Tout inclus. Et t'es masqué à l'arrière. Alex Kidd, Mortal Kombat, les Sonic qui sont tous là-dedans. Golden Axe et tout, Sonic et Kino Jumps. Ça c'est le feu, ça c'est le feu. Ma mère quand elle va regarder la vidéo, elle va dire oh je la veux, je la veux. Parce qu'elle adorait Alex Kidd, puis bah ma mère elle est vieille, elle est comme moi tu vois. Et bah elle jouait à ses anciennes consoles là, elle a pas joué à la PlayStation ou PlayStation 2, Nintendo 64, rien. Que Mega Drive et Nintendo 64 frère. Il y avait l'Atari avant, mais moi l'Atari j'ai pas trop joué, c'est plus le grand frère. Toi t'as pas trop joué à celle-ci toi. Non, vite fait. Toi t'as joué plus à la PlayStation 1 je pense. Ouais, mais sinon je fais d'Alex Kidd là-dessus. Alex Kidd là-dessus? Ouais. Ah mais toi tu joues avec la PS... Tu te rappelles de la PS1 genre avec les CD gravés et même elle avait un... À un moment donné tu dois pas du jouer à la PS1 toi. Elle avait un espèce de sticker au-dessus rouge. Non. Non, non, bah toi t'as joué à la PS2 alors. Et ah non, la PS1 oui, j'ai déjà joué à la PS1. Ouais, par la baraque. Si, si, la baraque. Bah si tu te rappelles pas de la PS1 avec le sticker rouge, c'est que tu as pas joué gros. On en avait qu'une avec le sticker rouge. Non plus il arrive à la PS2 les frères. Il arrive à la PS2, PS3, l'époque de Scarface, le GTA peut venir sortir et tout. Moi je suis arrivé à l'époque de Nintendo. GameCube aussi j'ai connu. GameCube aussi il a connu, ouais. Ouais. Moi je suis arrivé à l'époque Mega Drive, Nintendo, Nintendo 64, toutes les conneries comme ça. Mais je suis pas arrivé du côté de l'Atari. Oh là là, je suis refait les frères. Oh putain, regardez. T'as déjà tes manettes frère. Tu vas choper une manette de Mega Drive maintenant. Toute neuve et qu'elle marche, tu vas la payer au moins 20 balles. Oh là là, David Dom Julian. Oh là là. Ma Mega Drive. Oh là là. Regardez les frérots, c'est une mini Mega Drive, comme je le dis, toute petite version améliorée, 81 jeux tous les jeux, et vous pouvez quand même mettre les jaquettes originales, ça qui est bien, tu vas ta foire à tout, tu trouves une jaquette originale, tu te dis, oh tiens, juste pour le style, tu la vois combien, 50 centimes, tiens, je l'achèterai bien juste pour faire style, bah tu la prends frère, tu la mets dans ta Mega Drive, tu l'as pas le jeu, mais t'en as 80. Oh là 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 là, ils ont fait un mode les frères, où tu peux jouer sur les nouvelles télé, sur le grand écran, t'imagines la Mega Drive là, Alex Kidd. Non, c'est pas ça. C'est Sonic. C'est Mario. Ah oui. Oh, comment je suis content les frères. Ça, faut pas jamais le carton. Regardez la garantie. Oh là là. T'as les Mortal Kombat, les frères. Attendez, c'est quoi, Jay? Les Mortal Kombat, les Golden Axe. T'as tout. J'essaie de vous faire une petite image en train d'y jouer avec mon petit frère. Oh là là, ça me fait kiffer, je vais l'allumer, je vais passer un truc. Tu te rappelles ça, mon petit rouille? Oh là là, putain. Ah, jamais. Putain. Voilà les frérots. On a fait un peu de petit achat. On a, comme on a dit, hein, je refais un petit récapitulatif. C'est un petit LVDG, donc je m'en fous, même si je raconte ma vie. Il y en a qui disent, ouais, c'est un peu long et tout. C'est un LVDG, quand tu regardes un épisode de Prime, tu te dis pas, ouais, tu pourrais faire des coupages. Des coupages. Eh, j'ai tout le temps des problèmes avec coupages. Bon, là, tu vous le dis pas, tu pourras faire des coupages. Tu regardes et puis voilà, bah moi c'est pareil. Tu me demandes pas de faire des compages. Jeu de cross, USC la famille, une petite lampe qu'on va mettre avec vous. Des lettres à 4€, mais je me suis fait banane. Heureusement que j'ai eu la petite bière, tiens. Les lettres noires qui sont faites avec le truc. Mon petit plateau, je crois ça c'était à 20 balles. Je vais faire un récapitulatif. Lui est à 70 balles, ça c'est à 10 balles. La lampe elle est à 15 balles, ouais, 15 balles. Le truc là, 20 balles, les petites lettres, ça fait 4 balles. La Mega Drive, elle est à 50 balles, les frérots, ça fait un total de... J'en ai eu pour 190 balles, avec le jeu 70 et tout, mais il n'y a rien à foutre. Et la Mega Drive, les frérots, 80 jours à plus. Je vais faire un petit coupage, les frérots, je vais nettoyer un petit peu le setup parce que c'est le dawa. J'attends mon petit frère qui termine la partie, ou non, je vais le mettre là en fond. Et je vais essayer de mettre ma lampe... Attends, est-ce qu'elle est autocollante? Ouais, elle est autocollante, ouf les frères. Faut que je coupe ma lampe, je vais vous faire voir, ouais, pas de compas, je n'ai rien, on est comme ça. Mega Drive et tout, pop. Je suis refait dans le setup, je commence à m'équiper. Ça rime pas, mais j'en ai rien à foutre. Voilà les frères. Petit frère, il est en train de jouer à Fortnite, formidable. Et moi, c'était ici que je vous parlais. D'habitude, j'avais une lampe là. Et elle est morte, donc là je vais bien positionner la caméra et je vais mettre la lampe là. A tout de suite les potos.
Re la famille. Bon bah mon petit frère il s'est barré, du coup il avait quelques petits trucs à faire. Donc du coup il a pas voulu tester la Mega Drive avec moi. C'est pas grave, on va le faire soi-même. Je vais mettre la caméra, j'essaie de mettre la caméra devant la télé. Parce que j'ai pas de intermédiaire ni rien pour pouvoir prendre l'enregistrement. Je vais mettre la caméra devant la télé, je vais faire un petit peu à quoi ça ressemble, on va l'allumer ensemble. En tout cas j'ai l'impression que je vais replonger dans mes époques la famille. J'aimerais faire une putain de dédicace à Francis les frérots, celui qui a mis en point ce petit concept de nouvelle vidéo. Ça devait s'appeler des Bub Life et tout. Vous avez vu quand j'ai parlé à mon petit frère, il était un petit peu réticent, comme dirait le prof de musique, un petit peu réticent. Donc du coup on appelle ça des LVDG. Mais j'aimerais quand même te faire une putain de dédicace à toi mon frérot, alias mon bordeaux de l'amour, Francis SFRC ou je ne sais plus quoi, Francis Rennes quoi. Que je chose ta famille. Je mets le truc. Si si les frérots, regardez. On écoute du V2 nous pendant que vous faites de la pub à mon petit V2, ça sera bon les frères. Je vous allume la play. Voilà le pouvoir magique. Oh là 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 là. Allume-toi. Oh là là, comment c'est magnifique les frères. Je vais fermer le rideau, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lumière. Mettre la caméra devant. Je vais vous faire une petite vidéo, on va tester ça ensemble, vite fait. 3-4 minutes. Bigos le bruti, il a sa petite Mega Drive, tout. Avec ses deux manettes, tout. Si t'es un ancien et que t'as un rétro, tu sais ce que c'est ça. J'aimerais faire une grosse dédicace à Don Junior la famille. Un fou de rétro. Je vais mettre sa chaîne en description parce que sérieusement, il fait que des lives de fou sur YouTube. Don Junior mes frérots. Il adore tout ce qui est rétro. Alex Kidd par contre, j'adore ce jeu. Oh là 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 là. Il adore tout ce qui est les jeux rétro, il fait des lives sur tous les jeux les frères, je mettrai sa chaîne en description pour que vous ayez vous amuser. Oh là là, Golden Axe et tout mon frère. Oh là 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 là. Sonic, on est bien les frères, j'ai 80 jeux inclus. Je pense que normalement, vous avez bien l'atelier là, je pense, ouais. Allez, on va se faire un petit Mortal Kombat la famille. Oh ouais, il y a les trois en plus. On va tester le Mortal Kombat 1 vite fait en 2 spi. Mortal Kombat 1, si je m'en rappelle bien, t'as pas beaucoup de choix niveau niveau bonhomme. Et je crois que t'as juste... la musique. Oh là là, je peux vous dire que je revis la famille. Sérieusement, Bruti qui joue à la Mega Drive. Oh là là, je replonge dans mon enfance. Ouais vas-y, s'en fout de tes textes là. Pas branché ou pas la manette? Si. Ah c'est bon. Qui c'est qui a joué à ce jeu là les frères? Marquez-moi, hashtag moi si vous avez joué. Oh là là, ouais je... Comme quoi t'as pas beaucoup de choix. Sérieusement, Sub-Zero j'adore. Scorpion la même. Sonia, non ça je m'en fous. Raiden je crois. Et lui, je ne sais plus. Et je crois Luke Cage. Et lui, Liu Kang. On va prendre le petit chinois, les frérots. Dédicace à Monsieur 5K, Momodo de l'amour. Gros édic. Quoi? Tu m'as choisi le chinois, j'espère. Ah, il a choisi le chinois. Gros édicace à Monsieur 5K, les frères. Regarde, il est en train de se battre, là. Oh! Wouah! Attends, toi, juste. Bam! Les yettes, frère. Wouah! Eh, qu'est-ce qui m'arrive? Wouah, mon frère. Et là, je... Viens. Wouh, oh là là, il rigole pas, c'est Inka. Contrer. Ok, d'accord. Oh, oh, oh. Tiens, coup de pied, t'es mort. Ah, c'est Inka, il est balèze. Dédicace à ta, mon frérot. Regarde, je vais faire un coup de pied. Ah non, c'est comme ça. Wouhou. Hop là. Boum, dans ta bouche. Tiens. Contrer. Et tu vois quoi ma gueule? Oh contrer! Oh là 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 là! Merde enfoiré. Oh! Wouhou! 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 Allez, un beau finishim. J'ai jamais... Tiens, j'ai fait une petite danse. Synchronisation. J'ai jamais su les faire les finishim les frères. Je sais pas si vous avez réussi à les faire. Bon bah premier combat gagné. Hein. Vous savez quoi? Je vais éteindre tout de suite. Parce qu'il faut éteindre pour changer de jeu. Et on va se faire direct le Mortal Kombat 3 les frères. On va voir direct le changement.
Parce que je peux pas vous faire tous les jeux Alexis et tout. Peut-être que je ferai des vidéos sur tous les jeux. Je ferai une vidéo par jeu, genre Alexis, Alex Storm, avec une petite caméra facecam et tout. Histoire que vous vous amusez bien. Hop là. Dungeon aussi en plus il l'a acheté cette Mega Drive. Oh putain, c'est de jouer sur la Mega Drive, sur un 164 cm la famille. C'est du bonheur. À l'ancienne, t'avais que les petites télé carrées là. Vas-y, la périté, elle a bugué toujours derrière. Tu mettais une boîte d'allumettes ou je sais pas quoi pour la faire tenir parce que force de la torde. Et bah, elle marchait plus. Ah, là, là, là. Oh purée, va. Ah ouais, il y a du personnage. Cabal, je me rappelle de lui. Cabal, la meuf à gourou, je crois qu'il s'appelait le méchant. Jack. Je sais pas quoi. Bon, on va reprendre Monsieur Senka, la famille. Il est balèze, Monsieur Senka. Il se tape bien. Oh là là, le graphisme, putain. Et on était bien à l'époque, hein. On était content quand on avait ça, la famille, sérieusement. C'est autre chose que le GTA 5 de maintenant, hein. Ouais, je tombe sur le frère M. Senka, regarde, t'attendais quoi? Je suis le short rouge, moi, les frères. Oh, oh, t'arrives pas à me taper quand je... Quand je vole partout, hein. Gros con, ouais. Oh. Tiens, du feu, gros. Oh. Mais ferme ta gueule, là. Putain, l'autre mec, il fait... Ah, comment ça m'énerve quand... Quand t'avais un mec qui fait tout le temps la même technique, comme là, il vient de me faire, là. Putain, je vais te faire un coup de pied dans la gueule. Oh oui. Eh vas-y putain là, il m'énerve. Culé, va. Oh. Oh mais vas-y, je suis trop chaud. Oh là là. Ah, je refais un dernier combat les frères, parce que là lui il m'a énervé quand même. Eh mais je vais retomber sur lui en plus, ça qui est chiant. Vas-y, j'arrête avec Monsieur CNK, j'essaye avec Sub-Zero les frères. Parce que vous avez... Il n'y a pas Scorpion dans celui-là. C'est bizarre. La manette les frères. Oh mais putain, je retombe sur CNK. Tiens, coude. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Je fais plus de malin. Tiens, CNK. Tiens. Oh là là. Tiens, et surf. Allez, congelé gros, coup de coude. Oh là 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 là. Comment je t'ai défoncé la race gros. Tiens. Tiens. Hop là, moi aussi je sais faire mon job. Oh là là, il est trop beau ce kick là. Pouh. Vas-y, reviens. Merde, j'arrive pas à le faire. Wesh, hop là. Tiens, casse ta gueule moi. Voilà les frères, allez, un dernier combat parce que là j'ai l'impression qu'avec celui-là là. Ah, j'ai l'impression que je me bats mieux avec Sub-Zero qu'avec Sainka. En tout cas, Sainka qui était là contre moi, il est tombé au sol. Putain, vous faites tous la même tech. Oh là, oui. Il y aura plus. Hop là. Putain. Aidez, ils niquent tous quand je fais ça dans les airs. Bon là, ça sent la fin de combat. Oh putain. Tchou, qu'est-ce que... J'ai vu, je crois, il y avait un jeu d'échecs dessus, les frères, vu qu'il y a 80 jeux. Il y en a que je dois pas connaître, sûrement. Et purée. Ah, je suis dé... Tu vois. Oh là là. Ah, je suis dégoûté, les frères. Non, on continue pas. Bon, sur ça, les frérots, c'est des petits épisodes d'LVDG, c'est-à-dire que c'est un petit peu toute ma vie. Là, je suis dans le droit. Donc, du coup, vous allez sûrement peut-être pas me voir, parce que j'ai une mémoire où vous voyez le gameplay. Le gameplay est incroyable. Sur ce, je vous dis tous bonne fin de journée, bonne fin de soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Merci à mon petit Francis d'avoir trouvé ce petit concept de vidéo. Ce sera tous les frères, ça peut être, je fais du shopping, comme je vais à la piscine, comme je gueule parce que les croustibats ils sont pas bons, ou je gueule pour ci, pour ça. C'est toute sorte de vidéos. Merci à vous, c'est le BDG. La vie de GTA abouti, les frères. Ouais, c'est parce qu'il avait la petite musique de Tam Tam. Quand j'entends des Tam Tam et des ukulélés, je me crois au Tahiti. Dédicace à Dungeon à la famille, chaîne en description. Mon petit monsieur Sayenka, je t'ai cassé la gueule sur ce Mortal Kombat. Et merci mon petit Francis, bouge les frères. Même si je suis pas gay.